Bien. Et on repart pour un autre. Sur Hogwarts Legacy. Parce que là, mon but premier, c'était essayer de fouiller un peu à travers Poudlard avec les serrures, trouver des hiboux peut-être dans les classes des professeurs. On s'était laissé dans le bureau de Weasley. Allô, Mora. La salle de métamorphose. Weasley, vos secrets les mieux gardés. Rebellion. Je vais les trouver. Cher professeur Weasley, merci pour votre hibou. Je suis plus qu'arrivé d'apprendre que la dernière promotion d'élèves de 7e année comprend un certain nombre de jeunes gens à la fois motivés et aptes à une carrière au ministère. Bien évidemment, cela dépendra de leurs résultats aux buses, mais votre opinion ne manquera pas de peser sur les décisions de nos recruteurs. Vous bénéficiez d'une perspective unique étant donné votre expérience à nos côtés et j'en suis très reconnaissant. J'attends d'autres rapports de votre part au fil de l'année. Très cordialement, Faris Spavin, ministre de la Magie à Londres. Rebellion. Tellement de salles par ici que j'ai pas fait. Revelio. Ouais, je passe souvent dans la cour, mais je suis jamais passé vraiment par ici, c'est vrai. Je comprends mieux pourquoi tout ça n'a pas été fait. Oh! Allô, Mora! Wow! Rebellion. Revelio. Oh! L'armoire est en haut de moi! Allô, Mora. Où est-ce que je suis? Le Sphinx? Oh! Le Sphinx! Lumos. What the freak? Une de moins. À la suivante. Oh my god. Rebellion. Je vais avoir les 16 de ma maison. Allô, Mora. Mais t'es vite, celle-là? Oh shit. Revelio.
Il y a beaucoup de toiles dégueu. Confringo! Un squelette épeurant! Une porte, cool. La tête est avec un 2, ça veut dire 2 et 2. Ça c'est 4. Donc il manque un 6. Le 6 c'est le lézard. Et 2 points d'interrogation, 3, 1. Ça fait 4. Ça veut dire qu'il manque 3. La tête de l'hydre. Rebellion. Là, toi. Revelio. Gling. Doit être au-dessus en bas, ça veut une dire. Une de moins. À la suivante. C'est fou les Poudlards, là. Tout le bâtiment il est incroyable, il y a des passages, c'est lié, c'est what the freak. Qui veut arriver de même dans son cours de musique, genre paf et voilà, bonjour. C'est incroyable. Te rendre dans un cours, c'est magique, tu sais. Allô, Mora. Elle est placée encore. Rebellion. C'est qu'il manque juste une. Là, ça va aller mieux avec les Leviosa. On pourra le diriger. Wingardium Leviosa. J'avais oublié ça. Ah, pour mettre l'autre bord. Une table immense. Bleu sarcelle, colimaçon. C'était que pour ça. Rebellion. Et les cloches, eux, ils ont fait quoi? Peut-être que je joue avec les grenouilles? Rebellion. Bien étrange.
parle celui-ci. Revelio. C'était par où j'allais là? Par là, hein? Oui. Lui. Revelio. Le Sphinx, une créature à la tête humaine et au corps de lion, est utilisé depuis des siècles par les sorciers et sorcières. En raison de leur intelligence et de leur goût marqué pour les énigmes, ces créatures gardent des objets de valeur et les passages secrets. Ok. Action. Non. Revelio. Allô, Mora. Revelio. Professeur Binns, je dois avouer avoir été étonné de votre récente observation sur la léthargie supposée de nos chers élèves. Je vous affirme de nous avoir observé aucune trace de ceci lors de mes cours. J'ai même pris le temps de m'entretenir avec quelques élèves dans l'espoir de lever le voile sur l'anomalie que vous avez constatée. Lors de cet échange, j'ai appris que vous les abréviez de certaines anecdotes peu connues sur les conflits historiques. Peut-être devriez-vous montrer plus direct et ne pas vous embarrasser d'autant de détails. L'un des élèves avait les larmes aux yeux alors qu'il évoquait une question d'examen portant sur Grimbald Brod et sur nombre de boutons composant le vêtement d'un sorcier lors de la rébellion de 1752. Apparemment, la somme des boutons était supérieure de 1 par rapport à l'usage. Le choix vous appartient, mais les élèves ont généralement du mal à apprécier de telles nuances. Il ne s'agit bien sûr que de mon opinion personnelle, et j'espère que vous n'en voudrez pas de vous avoir donné. Cordialement, Abraham Ronin. Ça a été le fun. Il fallait des bons coups. Revelio. Incendio. Levioso. Revelio. C'est erreur de niveau 2. Revelio. Random. Revelio. Ça détecte quoi? Juste ici, plus rien. Ça veut dire que c'est vraiment en hauteur encore. C'est très étrange. Qui m'écrit? Deux fois d'affilée, ça c'est quelqu'un. Revelio. LOL. Que je viens d'entendre, moi. Qu'est-ce que... Revelio. C'est dans ce cas. Cet ensemble de tapisseries raconte la tragique histoire d'une sorcière forcée à abandonner sa petite-fille et son mari après avoir été mordu par un loup-garou. La rumeur raconte que les hurlements d'un loup a bercé sa fille toutes les nuits pendant les années qui ont suivi. Okay. Puis pourquoi?
pourquoi les toiles sont bleues. Je peux te faire de quoi avec. Crescendo. Confringo. Dipindo. Levioso. Pourquoi les toiles sont bleues. Revelio. Flipendo. Wingardium Leviosa. Lumos. Une fichue de drôle d'endroit. Il y a un coffre là. Capable. Load. Oui. Lâche pas ça. Ah, puis ici, je suis dehors. Ok. Ah, ça c'est facile ça. Je ne sais jamais quoi dire. Confringo! Combien de trucs de lune, hein? En reste, c'est le truc de potion que j'ai pas fait. Qui est un prof. J'en ai 7, 8, 9. Il m'en manque 2. Revelio. Ah, c'est le serveur de niveau 1 de l'autre bord. What? What the fuck? Revelio. Oh. Name, fais peur lui. Là pis là. Ok. Araignée 12. Araignée 8. 12. Fait 20. Manque 2. Ça veut dire tête de dragon. Ça. Double point d'interrogation. Pieuvre. 9, 8, c'est 7. Licorne, 1. Ça fait 8. Il manque une autre licorne. Wow. Revelio. Portrait de Gorgone. Cette peinture à l'huile représente une superbe Gorgone qui pose avec son soupirant en détourne le regard tandis que ce dernier se penche pour lui baiser la main. L'artiste à l'origine de cette œuvre aurait accidentellement regardé son sujet dans les yeux en lui remettant la peinture et s'est à jamais transformé en sculpture, aujourd'hui exposée quelque part dans le jardin de... en Grèce. Finité. Espèce de peinture qui me change en pierre. Finité. Une gorgone. C'est hâte.
Revelio. Tabarouette. Lumos. Pas trop compliqué. Petit papillon. Chut, toi-même la photo. Rebellion. Deux. Rebellion. Ça, ces murs-là. Eh ben. Ah, ben, je suis revenu aux potions. Beavs, come on! T'as pas une petite statue là? Que le concierge vienne pas? Non? Ah, ton bureau est refermé par exemple. Allô, Mora. Et pourquoi est-il fermé cette fois-ci? Rebellion. Très étrange. Oh, il t'a eu un sale gâchis ici. Puis lui, il n'y a pas de petite statue pour vrai. Dommage. Cette tenue n'est pas appropriée. Hey! Pas très gentil, ça. En route pour de nouvelles aventures? C'est vrai que ma tenue est très appropriée, madame. Revelio. T'es juste jalouse. À la bibliothèque. Petit bouche poétée. Wingardium Leviosa. Revelio. Pratique. De bien avoir un petit hibou quelque part dans la bibliothèque, je créerais bien. Ça ferait mon huitième, là. Non? Il me semble qu'un concierge, ça doit venir d'une bibliothèque. Revelio. Ça aurait été trop simple, c'est ça. Calme-toi, arrête de courir. Revelio. Quoi? Qu'est-ce que... Expelliarmus! Confringo! Revelio. Sont très étranges.
Allô, Mora. Une serrure 1, en tout cas. Faut juste deux petits bouts, là, puis je pourrais booster mon sort déjà. Puis après ça, continuer toutes mes affaires normales, puis fouiller tout, sûrement à 100%. Les serrures 2 et 3, là. Revelio. Qu'est-ce que c'est que ça? Une demi-guise. Merci de l'avoir dit, je l'avais même pas vue. Une chance qu'il parle, hein? Let's go! Fait que tu peux les détecter quand il fait nuit, ça veut dire. Demi-guise. Sinon, tu peux pas. Ouais, après, ils deviennent bleus quand je peux les prendre, comme interagir. Ok. Au moins, il le dit. Revelio! Revelio. Mais non, mais je veux pas aller là. On sortait petit site. Je suis où, moi, là? Je suis dans l'annexe de bibliothèque. Salle de potion, bibliothèque, serre. Salle de divination, hall central. Ça, je l'aurais pas mal fait. L'île de l'astronomie aussi. L'île du clocher. Il y a toujours la tour ouest du château que j'ai pas. Puis ça peut me guider. Ok. Admettons que je me TP là. Peut-être qu'en allant chercher les cheminettes que j'ai pas, ça va m'aider. Ça va me guider à quelque chose. Déjà, peut-être que la madame de Quidget en a une. Revelio. Est-ce qu'elle avait une petite bébitelle? Voilà la tenue idéale pour suivre les cours depuis son lit. Je vous trouve un peu baveuse. Auriez-vous un moment, professeur? Oui, qu'y a-t-il? En cours, vous avez mentionné l'équipe de Quidditch de Toyohashi. C'est vrai. Les Tengus de Toyohashi viennent du Japon. Leur entraînement est très rigoureux. Ils s'entraînent près de l'école de magie Maotokoro. En plus de leurs adversaires, ils doivent lutter contre une mer déchaînée et de violentes tempêtes. Les tournois sont généralement plus faciles pour les Tengus que leurs entraînements. Vous êtes fan? On m'a préparé à jouer pour l'équipe. Et j'aurais été une Tengu sans... une certaine malchance. Je vois ce que vous voulez dire. Certaines choses sont hors de notre contrôle. Et certaines choses ne le sont pas. J'aurais dû le prévoir. C'était ma faute. J'ai été trahi par quelqu'un en qui j'avais confiance. Je n'ai pas été attentive. Et j'en ai payé le prix. Ma meilleure amie Asuka et moi, nous entraînions pour être prises dans l'équipe. Je voulais être gardienne. Et elle, poursuiveuse. Elle était incroyable. Un jour, elle a dépassé 3 joueurs en enchaînant les tonneaux et a marqué avant même qu'ils ne tournent la tête. Mais à l'approche des sélections des Tengus, elle a commencé à paniquer. Malheureusement, je n'ai compris l'ampleur de son angoisse que trop tard. Elle tenait tellement à ce qu'on puisse jouer toutes les deux ensemble qu'elle a mis du Félix Félicis dans notre thé avant notre démonstration face aux recruteurs. Félix Félicis? C'est une potion? On l'appelle aussi la chance liquide. Elle est interdite dans tous les sports de sorciers. J'ai tout de suite su que quelque chose était différent. Je n'avais jamais si bien joué. Et Asuka jouait mieux que tout ce que j'avais vu dans ma vie.
Quand je lui en ai parlé après notre démonstration, elle a tout avoué. J'ai immédiatement retiré ma candidature. Mais ce n'était pas votre faute. Vous ignoriez qu'il y avait de la potion dans le thé. Ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas moi qui volais ce jour-là. Je n'ai pas pu l'assumer. Alors, j'ai retiré ma candidature en leur expliquant pourquoi. J'ai brûlé mon balai tant j'avais honte. Qu'est-il arrivé à Asuka? A-t-elle brûlé son balai, elle aussi? Asuka a joué 2 saisons avec les Tengu. Vous ne l'avez pas dénoncée? Et racontée ce qu'elle avait fait? Ce n'était pas à moi de le faire. Mon destin est entre mes mains, comme le vôtre est entre les vôtres. Merci, professeur. Je me souviendrai de ce que vous m'avez dit. Voilà la tenue idéale pour suivre les cours de tout ça. Pouah! Sauf que c'est très bien habillé, ok? C'est pas un pyjama niaiseuse. Comment je vais là? Ils me font aller par là. Réveillon. Déjà, je me semble qu'il y en avait un ici. Ou c'était dans le hameau. Serrure des niveaux 2. Ça m'étonnerait que je sois rentré dans les serrures de niveau 2. Hein. Ça veut dire que c'était sûrement dans le premier village qu'il y en avait. Serait-ce simplement ici? Je ne suis jamais venu. Il y a tellement de chemin à Poudlard. Hop! Rebellion. Wow. Boom. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Oh. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que cette pièce? Ce passage est plutôt quelconque comparé aux autres passages. Malheureusement, une récolte de Mibulus Mimbeltonia ayant fait l'objet d'une erreur de manipulation au 16e siècle et le rat de marée d'Empestine subséquent a laissé une terrible odeur que même le sortilège de récurage le plus puissant ne semble pas pouvoir éradiquer. Le passage puant. Ah ben c'est le fun. Lumos. Good. Un beau petit passage puant. Pourquoi pas? Réveillon. En arrière de ce porte-là, il y a pas mal de stock. Comment je suis dans cette aile-là? L'aile du clocher, je viens de le faire. Le grand escalier. J'ai pas mal tout. Grand escalier, partie basse du grand escalier, la cour centrale, la tour de Serdaigle, la salle des trophées. C'est vrai, si je redescends le grand escalier, il doit en avoir du stock. Là. On est la nuit en plus. Je devrais peut-être être capable voyager de détecter. C'était incroyablement pénible avant que j'arrive. Rebellion. Allô, Mora. On monte encore plus haut dans le grand escalier. Stylé. Réveillon.
Incroyable, le passage est beau. Revelio. Au moins une. Wow. Gargouille du bureau du directeur. L'escalier qui mène au bureau du directeur est gardé par une gargouille enchantée qui ne laisse passer que ceux qui connaissent le mot de passe. Il est difficile de croire que quelqu'un ait envie de rendre visite à son occupant actuel. Oh. Ah, l'escalier qui mène là en haut pour le directeur. Arresto Momentum, Lumos. What? Arresto Momentum. Revelio. Clairement pas aller là. Lumos. Petit papillon, il devait être à l'arche en bas ici. Tu peux dessus? Ouais. Éteins. Fait que cette place-là, ici, c'est le bureau du directeur. C'est quand même... incroyable. Faire grand chose d'autre. Les grands escaliers. Je peux retourner voir. C'est quoi, il m'en manque un là? Il m'en manque juste une petite bébite, puis je peux aller porter une œuf au moins. Ce serait cool. Est-ce que ça donne vraiment 2 et 3? Ou bien ça en donne juste 2, puis après ça, il va falloir que j'en retrouve d'autres. Revelio. Ici, dans la salle des trophées, il y en a pas un, caché. Ok. On va. C'est l'étage supérieur. On va descendre. Revelio. Déjà, ici ça monte encore. Qu'est-ce qu'il y a en haut des escaliers magiques? Ah. Confringo. Action. Revelio. C'est pareil, quand on est la nuit, il n'y a pas personne nulle part. Ça par ici, ça mène.
faire la tour de Serdaigle. Y'avait-tu de quoi te cacher en haut? Revelio. Non. Qu'est-ce que... Il y a de quoi de plus haut que la tour de Serdaigle, eh ben? Ok. Ah, le grand escalier mène à toutes les maisons, si je me trompe pas. Ça, ici, c'était la tour. Pauvre souffle, c'est nous autres, c'est l'autre étage d'après. Ici, là. Revelio. Genre, par là, ça, c'est le passage vers Honey Duke. Oui, je te l'ai dit, tu es très intelligent. Intelligent? Seulement? Je suis vexé. Bon, suivant. Ah, puis ça, c'est ici, c'est ce qui mène à Moon. Ce sortilège de désillusion est formidable. Je suis aussi discret qu'une demi-guise. Sinon ici, ça c'est pauvre souffle. Je pourrais aller perdre mes clés. Tant qu'à être proche. Il me semble que c'était quelque part ici. Revelio. Ça ici c'est la grande salle. Pourquoi il se battait? Comme ça, elle se débrouille avec un niveau 1. Allô, Mora. Let's go. Oh. Tu es à moi à présent, demi-guise. Revelio. Ben. Torsade rose, c'est quand même belle le modèle. Dame, c'est comme la mienne, mais rose avec des marques brunes. J'ai tellement trouvé d'équipement, faut que tout vendre, tout est nul. Une écharpe à regarder. Moi j'en reviens pas qu'ils disent que ma tenue est pas correcte. Je suis tellement propre pour aller suivre mes cours. Oi, oi, oi. Je suis le plus classique de tout le monde ici. Revelio. Je veux dire, j'ai bien beau être un élève, je suis plus fort que vous autres. Je suis en train de maîtriser toutes les sorts. Bande de nuls. Ah. Le v'là l'équipement plein. Faut que les gens parlent pour vraiment que ça le fasse. Elle est bonne celle-là. Bon ben c'est mon dernier. On va intervenir à prendre le TP pour la grande salle, ça veut dire. C'est là que je suis rendu à fouiller. Au niveau de la grande salle. Revelio. Miroir, c'est... Revelio. Vite. Lumos.
En haut ici. Revelio. Ouais, là. Lumos. Bon, faut que j'invente. Prêt au lard. Une chance, le marchand de potions, il est là, hein, il m'arrête tout, mais lui, il est du gaffe, mon gars. Zoom, zoom, zoom. J'achète tout ton équipement, je travaille pas là-dedans, mais. J'achète tout. Est-ce qu'il existe plus accueillant que Prêt au lard? Nous avons tout ce dont les élèves peuvent avoir besoin en matière de potions. Prenez le temps de regarder. Il paraît que vous avez trop. J'espère vous revoir très vite. À bientôt. Ça nous dit de quoi? Pourquoi ça a coupé, Fichy? Il paraît que j'ai trouvé quoi? Quelque chose dans la forêt? Peut-être, oui. Poudlard. Poudlard au total. 24 de 35 coffres de collection. Page du guide. 116 de 150. Statue des demi-guilles. 5 de 10. Table d'astronomie. 0 de 1. Là, je suis rendu dans la... Ah, j'avais pris le grand escalier. Central, grand escalier, serre d'aigle. Ok, ben en tout cas. Grande salle. Cour du viaduc. Hangar à bateau. Ah, hangar à bateau est inclus là-dedans. Salle commune de Poufsouffle. Putain. On va aller faire Poufsouffle. On va pouvoir aller voir Monsieur Moon pour booster mes shit. Let's go! Let's go! Ça va bien! Hey gang! Grâce à moi là, regardez ça là! Checker ma tenue déjà. Je vous oublie là. Je suis juste better. Revelio! Juste better, je me rappelle juste plus Yulkov. Au bord. Checker ça gang, on va débloquer de quoi ensemble. Checker ça là. Hop! 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 Un nouveau jeton pour le coffre de ma maison. Et hop! Et yoink! Ça y est, c'est le dernier jeton. Il est temps de voir ce qui se cache dans ce coffre. Damn, la grosse musique. Incroyable. Uniforme antique de la maison. Merci à l'ancienne directrice, Eupraxia Moll. Eupraxia Moll. Attends, j'ai eu une robe de ma maison. Hop là, peut-être que ça va changer, là. Oh! Oh! Cette tenue de maison est destinée aux Poufsouffles loyaux et justes. Elle s'obtient quand vous utilisez les clés des dédales pour débrouiller votre coffre de maison. Wow! Oh ouais, non, là, j'avoue que de remettre la robe, là, avec le logo Poufsouffle, là, c'est hot. Avec ma tenue propre, là. Pas pire. J'aime bien les longs pantalons. Les kits avec des pantalons sont stylés. Genre, je suis jaune, Poufsouffle sont... Ah, comme ça, c'est bien quand même. J'ai des pantalons longs avec des bottes, puis c'est cool. Quoi d'autre? Moins beau. Respect.
pull de premier de classe. Ça, c'est très laid. Ça aussi. Ça aussi. Et c'est soit celle-là qui va quand même bien, hein. Pour vrai, il est vraiment hot demain. Où que j'y mets le jaune? À pantalon. Ça fait un bon contraste. Je pense que je vais y aller pour pantalon. C'est stylé. Non, ça tombe dans le dos, c'est pas beau. Oh! Ah oui. Damn. Ça c'est hot. Celle-là ou celle-là, ça pourrait être bien quand même. Ouais, malgré que ça, c'est encore bien. Wow, la grande robe de Poufsouffle. En parlant d'astronomie, je suis sûr que tout soit pas aussi. Hé, là, belle ma tenue. Là, j'ai l'air plus d'un élève, là. Vous êtes content, là? Oh, elle brille et tout, là, et comme Chroma, what? C'est stylé! C'est moi, c'est grâce à moi! Checkez ça, je suis le chef de Poufsouffle! Oh non! Elle veut toujours pas. Bon. Revelio. Le bourbard. Let's go! Let's go! Là, ici. Non, c'est pas là, c'est ici. Là. On va le suivre, ça devrait sortir tout proche. Ah, c'est bien, j'en avais déjà donné une. On se dit qu'il m'en manquait juste 8. Bon. What the fuck? Revelio. Comment c'est que... What? De comment, de casser, que pourquoi? J'avais jamais vu ça? Allô, Mora. J'ai chatouillé la poire. C'est parce qu'il y a une sale cuisine ici. Revelio. Dame, les chaudrons. Wow. Mais la cuisine... Oh my god, je peux m'empiffrer. J'ai bien mérité un casse-croûte. Délicieux. Ah! Ah, je l'ai dit! Coquillage métallique. Spécial. What? Wow! Ma cape! Wow! Quand je fais les... Quand j'attaque, elle brille! What the fuck? Oh my god, c'est dans ma hotte! Toujours aussi pragmatique et créatif, les elfes des maisons de Poudlard se sont créés un petit abri douillet au milieu des tonneaux dans la cuisine de Poudlard. Bien sûr, il est impossible de savoir à quoi ressemble l'intérieur car les elfes des maisons ont une magie extraordinaire qui leur est propre. Revelio. Je brille quand je fais de la magie. C'est incroyable. Un chapeau légendaire. Une petite pinte avec ça. Non mais la bouffe. La bouffe! Table de cuisine. Lorsque les elfes de maison de Poudlard placent la nourriture cuisinée sur cette table, elle est directement acheminée par magie jusqu'aux tables de la grande salle au-dessus. J'adore Poudlard. J'ai bien mérité un casse-croûte. Délicieux.
bien. Il y en a toujours à découvrir dans cette école. On pense avoir tout vu. Quand tu chatouilles une poire, ça t'ouvre une porte de cuisine. Easy. En route pour de nouvelles aventures? Monsieur. Réveillons. Monsieur. Oh, les points! Ça a-tu monté? Non, ça bouge pas. Bonjour, Monsieur Moon. Bonjour, Monsieur Moon. Salutations. Vous avez pu déloger d'autres statues de demi-guise? Oui. À vrai dire, j'ai quelques lunes pour vous. Je me sens déjà plus léger maintenant que ces statues ne sont plus là. Bien. Je vous avais promis de vous enseigner une meilleure version d'Alohomora si vous m'apportiez d'autres lunes. Grâce à cela, vous serez en mesure d'ouvrir des serrures encore plus récalcitrantes. Cela dit, nous ne savons toujours pas qui est derrière ces statues. Il en reste encore une multitude qui n'attend que de me faire souffrir. Si vous m'apportez d'autres lunes, je vous enseignerai la forme d'Alohomora la plus puissante qui existe dans le monde des sorciers. Du moins, à ma connaissance. Fait qu'on vient de monter à niveau 2. C'est bien, c'est bien. Continuez à chercher ces lunes, hein? Je serai plus tranquille une fois que nous saurons qui se cache derrière tout cela. 13! Ok! Il m'en reste une. Donc 12, il m'en manque 12. Il manque 12 lunes. Ok. 12 lunes. Quand même beau. Attends, mais je peux-tu mettre ma capuche? Je pense que c'est ça que ça. Ah non, hein? Non, il n'y en a pas. Pas de capuche. Je suis chromatique. Je brille. C'est fou. Bon, ben, les statues de Guise à Poudlard, c'est à 5 de 10. Que quand même, hein, c'est pas évident à trouver. Mais là, j'ai fini la grande salle. Il y en avait une dedans, blablabla. Fait que là, il faudrait que j'aille au bateau. Puis il y a une quête à côté. Ça va être parfait. Peut-être qu'il y en a une là aussi, une guise. Ça compte comme Poudlard. Je devrais peut-être me trouver de la branchiflore. La branchiflore? Il faudrait quand même que je nage. Réveillon. Tu peux aller dans l'eau, madame? C'est dangereux, aller dans l'eau. Bonjour, y aurait-il un petit bonhomme bleu ici? Qui fait peur au concierge? Ça a pas l'air. Je coulerai comme une pierre. Partante pour un petit plongeon? Oh là là, non. Même si je commence à me dire que je devrais vraiment apprendre à nager. C'est difficile de servir d'interlocutrice aux êtres de l'eau quand on ne sait pas nager. Tu sers d'interlocutrice pour les êtres de l'eau? Eh bien, techniquement, non. Enfin, pas encore. Ce poste n'existe pas pour le moment, mais je compte bien changer ça. Au fait, je m'appelle Nerida. Nerida Roberts. Nous n'avons pas encore eu l'occasion de nous présenter, mais nous nous sommes livrés un duel au club de joute magique. Oui, bien sûr. C'est un plaisir de te revoir. Moi de même. Tu as l'air de t'intéresser de près aux êtres de l'eau. C'est le cas. Et ils sont aussi incompris et méprisés par les sorciers que les gobelins et les centaures. Puisque les gobelins et les centaures ont des interlocuteurs au ministère, il serait normal que les êtres de l'eau en aient un eux aussi. Je suis impressionné. Établir une relation avec les êtres de l'eau est une bonne idée. Vraiment? Ah, merci. Bien sûr, je n'ai encore rien fait pour l'instant. Je leur ai offert un cadeau il y a quelques semaines, et ils comptaient m'en laisser un à leur tour, dans l'une de leurs grottes, pour la réciprocité et pour m'inviter à venir les voir. J'ai essayé de leur dire que je ne savais pas nager, mais je crains de m'être mal exprimée. La langue aquatique est vraiment complexe.
pourquoi les sorciers n'ont-ils que peu de relations avec les êtres de l'eau ? Eh bien, nous avons toujours considéré que les êtres de l'eau nous étaient inférieurs, malgré les nombreuses similitudes qui existent entre nos cultures. On ne peut pas leur en vouloir d'avoir refusé le statut d'être que leur a proposé le ministère. Qui sommes-nous pour classifier des créatures si belles et si intelligentes ? Qu'est-ce que ça changerait si tu endossais ce rôle d'interlocutrice ? Ah, tellement de choses. Je veux absolument tout savoir sur eux. Quand je saurai nager, je compte me perfectionner en langue aquatique, bien sûr. Et je leur apprendrai tout ce qu'ils souhaitent savoir sur les sorciers. J'ai bon espoir qu'en apprenant à nous connaître, nos deux sociétés pourront évoluer. Que penses-tu pouvoir tirer de l'étude d'un de leurs objets ? Oh, tu n'imagines même pas à quel point ils sont fascinants. Si l'on en croit la rumeur, des contes à leur sujet sont même parvenus aux oreilles des moldus. Les plus anciens êtres de l'eau connus, les sirènes, viennent de Grèce. Et bien sûr, l'Écosse a des Selkies et l'Irlande des Merrow. J'aurais tant de choses à raconter. Sur leurs incroyables communautés aquatiques, la domestication de la faune marine, leur art, leur musique. C'est vraiment dommage qu'ils ne soient pas mieux compris. Moi, je sais nager et je peux t'aider, si tu veux. Tu ferais vraiment ça ? Oh, merci. Merci, merci, merci ! Je ne voudrais surtout pas qu'ils pensent que je rejette leurs cadeaux. La diplomatie, c'est un art plutôt délicat. Sauf erreur de ma part, tu devrais pouvoir atteindre leur grotte en plongeant à cet endroit précis. J'ai hâte de voir ce que tu vas trouver. Un jour, je pourrai voir ça de mes yeux. J'en suis sûre. Wow! Je m'en vais sous l'eau! Cet endroit est incroyable! Damn! Est-ce que les êtres de l'eau ont vraiment laissé un artefact à Nerida? Bonjour! Lumos! Attends, vous êtes pris? Confringo! Lumos! Bien. Tu vas devoir me suivre. Ah, ils suivent pas toutes. Ah! Mets-toi là. Tu dois trouver les autres. Confringo! Lumos! Sera contente. Un artefact des êtres de l'eau. Damn! Cool! Mérida, je l'ai! Tu seras heureuse d'apprendre que ton cadeau aux êtres de l'eau est bien arrivé. Oh, c'est une fabuleuse nouvelle. J'avais peur de l'y avoir laissé trop longtemps et de les avoir offensés. La relation que nous entretenons avec eux est déjà si fragile. Je t'ai aussi rapporté une pièce à étudier. Je t'ai aussi rapporté une pièce à étudier. Par la barbe de Merlin. C'est merveilleux. Je vais le montrer à tout le monde, même au ministère. Tu penses que je devrais l'y apporter en personne ou envoyer un hibou ? Merci encore, merci beaucoup ! Tu viens peut-être de contribuer à l'amélioration des relations entre les sorciers et les êtres de l'eau pour les décennies à venir. Yay ! J'ai vraiment hâte de l'étudier. Uniforme de liaison des êtres de l'eau. T'es très très belle. J'adorais le visuel, il était beau. Revelio. À Poudlard, il y a des petites statues pour faire peur au concierge. Bon, déjà au moins j'ai niveau 2. C'est déjà un bon début. J'ai déjà fait une bonne exploration de la place.
J'essaie de regarder vite fait ici. Je penserais pas que sur ces marches-là, il y ait quelque chose, mais on peut prendre de chance. Hop, attention, jeune homme. Les bateaux, c'est pas pour toi. Okay. Là, on est revenu ici. Ok. Grande promenade ici. Je me rappelle pas d'avoir fait ça. Elle fait tout le tour. Revelio. Ah, puis ça revient ici, ok. Cool. La grande salle, l'annexe de la bibliothèque. Ouais, celle-là aussi, je l'ai déjà fouillé pas pire, là. Salle de potions, blablabla. La serre, pièce secrète, salle de la carte, et la salle sur demande, et l'aile sud. Qu'est-ce qu'il y a dans l'aile sud? La tour des professeurs, le cours de la tour de l'horloge, tour infirmerie, sortie de Poudlard. C'est vrai? Tour des professeurs, cours de la tour de l'horloge, ça c'est celle que j'ai faite en bas. La tour des profs. Moi, je suis arrêté à l'horloge. Je vais retourner à l'infirmerie en haut. On va aller voir. Ça va être du chemin avec Monsieur Moon. Revelio. Bon. Là, je sais qu'il y a bien des cadenas, mais ça, je l'ai fait. On va le refaire plus tard. Même chose pour ça, niveau 2 sûrement. On le refera plus tard. Niveau 3. La salle de bain. Puis ça, c'était l'horloge. Là, on va monter en haut. À l'infirmerie. C'était vraiment ce qui me manquait. Ce guide du sorcier est bien pratique. Oh. Je suis ravi d'y avoir été. Action! Revelio! Fontaine de la licorne. Cette majestueuse fontaine de licorne ajoute un sentiment de sérénité et de calme à l'infirmerie de Poudlard. Ben, niveau 2, t'es. Allô, Mora. À quoi ça ressemble un niveau 2? Même affaire. C'est juste que je peux le faire, en gros. Ok. Super. Pas plus compliqué. C'est juste que je suis rendu un petit crack des serrures. Collège Poudlard, école de sorcellerie, infirmerie, guérisseuse, Madame Norine Bailey, nom de la patiente Tesmina McLagan, de ce que nous pensons. 13. Remarque. La patiente est arrivée sans tête. Après un appel dans le dortoir à l'aide inexistante apportée par le directeur, nous avons conclu qu'il s'agissait probablement de Tesmina McLagan. Malgré les soucis de communication évidents, je pense que cette pauvre jeune fille a atteint des disparitions pathologiques. Je recommande de l'envoyer au plus vite à Saint-Mangus, en partie à cause de l'urgence du diagnostic, mais également parce que Nick, quasi sans tête, ne cessait de lui tourner autour en bêlant qu'elle était vraiment chanceuse. C'était extrêmement gênant et s'il perturbe à nouveau mon travail avec d'éventuels autres élèves sans tête, je n'aurais d'autre choix que de demander au directeur d'intervenir. Addendum, j'ai appris que la patiente avait récupéré et pourrait prochainement regagner le château. Détail sans grande importance, Nick semble désormais m'éviter. Je suppose qu'il se complaint dans une sorte de bouderie immature. Revelio. Weird. Bonjour madame, je sors de votre bureau. Qu'en dites-vous? La vie semble ennuyeuse dans les hameaux du coin. Je préférerais vivre dans une grande ville. Dans les hameaux du coin? Non, ils sont belles les petits hameaux du coin. Ils sont cute. La plus haute partie de l'horloge. Revelio. Ah, puis ça permet de redescendre à l'autre niveau. Ah! Fait que c'était pas très grand, c'était tout petit l'infirmerie. C'était minus. Bon ben,
C'est ce qui conclut Poudlard. En plus, j'ai plus de quête. Je les ai tout fait. Va juste falloir que j'amène les pierres à Monsieur Moon quand je vais en avoir trouvé 12 autres. Pauvre petit, il a peur. Il a peur, pauvre petit. Fais pitié. Bon. Ah, parler à Nelly, il y a une feuille à ça. Ah ben. Je l'ai eu, mon truc. Mais là, on est dans le cours. Salle de métamorphose. Nelly! Nelly, je les ai faites! Je les ai faites, les clés! J'ai eu ma super tenue qui brille quand je fais des arts! Ah! De malade! Réveillon! Non mais, hein? Quand même. Tu as réussi à suivre l'une des clés du dédale? Ben, regarde dans mon dos, là. Check ça, là. Bonjour, Nelly. En fait, j'ai pu trouver toutes les clés et j'ai ouvert le coffre de ma maison. Oh, formidable! Qu'as-tu trouvé? Il y avait un costume assez intéressant dedans. Superbe! Merci beaucoup d'avoir percé ce mystère à jour pour moi. Je me suis toujours demandé à quoi menaient ces clés. Non mais, hein? Incroyable. Je suis content de t'avoir aidé, Nelly. Ça m'a fait plaisir. Survoler la compétition. Plein de quêtes secondaires pratiques. Ok! So là, j'ai mon cours, là. Dans la carte du monde. C'est... C'est ici. Ce lieu sort tout droit d'un livre de contes. Revelio. L'exploration, des fois, elle va être un petit peu plus longue, là. Ça va, madame? Ça saute un peu, je trouve. On va être capable de crocheter les deux, mais pas les trois. Ouais, deux. Allô, Mora. Ah, pas bien. Il va y avoir beaucoup moins de place que je vais pas avoir d'accès là maintenant que j'explore. Ce qui va être dur, ça va être de se rappeler des trois si jamais je finis pas le jeu avant. Revelio. Un turban à motif. Give me that. Donner un peu de force avant d'ouvrir mon gros coffre. Un objet pour tête non identifié. Here we go. Revelio. Ce sont les meilleurs amis.
l'Académie des sorciers. Ping, diddly, ping, 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 ping. Hop, c'est supposé passer par-dessus d'habitude, non? Merci. Niveau 1. Allô, Mora. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Here we go. En voulez une? Demi-guise. Tu es à moi à présent, demi-guise. Un diagramme magique. Revelio. D'avoir une demi-quille, c'est bien. Je me demande si ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui-ci. C'est ici. Un autre sérieux de niveau 1. Allô, Mora. Let's go! C'est tellement fun de pouvoir être tout aller. Revelio. Bonjour, monsieur le fermier. Vous êtes chez vous? Désolé de vous déranger. Coquillage gris. Oh, quand même belle la baguette. Blanche, or et gris. Oh, quand même pas pire. Et on va le laisser un peu, je pense, c'est hâte. Un peu de or et blanc, c'est stylé. Revelio. Oh, il s'assure. C'est tellement stylé ça aussi, c'est incroyable. Revelio. Oh. Tenue robuste. Lettre de Dermo à Béatrice. Béatrice! Une semaine s'est écoulée et Arnold n'est toujours pas rentré. Je dois partir à sa recherche. S'il revient avant moi, alors tant mieux. Vous n'attendez tous les deux ici. N'essayez pas de me retrouver. J'espère vraiment qu'il n'est rien arrivé à notre garçon et que nos craintes concernant les créatures affectées par la magie noire étaient aussi infondées qu'il le prétendait. Dermot. Lettre d'un fils à ses parents. Père, j'espère que cette lettre arrivera jusqu'à toi et que tu ne seras pas trop fâché en la lisant. Je dois aller au bout de cette chasse. Mère et toi avez besoin de nourriture. Je serai de retour dans un jour ou deux. Indemne, avec beaucoup de viande, vous verrez. Alors que ces créatures ne sont pas possédées par la magie noire, comme vous le prétendez. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai, Arnold. Revelio. Arnold, t'es pas au courant de tout, gars! Des choses qui se passent de pas correct. D'astensite. T'as pas d'affaire à t'en aller de même. Une potion Wiggenweld. Un des loots les plus rares de ce jeu. La potion Wiggenweld. Revelio.
Ouais, le petit hameau, c'est pas mal, pas mal fini. Pas grand chose ici. Ici. Revelio. Une petite cabane là. Allô? C'est sphère armillaire. Dang. Yeah. Cet endroit a connu des jours meilleurs. Je pense qu'il va falloir que je commence à me mettre à voyager plus en balai qu'avec des TP, je pense. Ça va être plus stylé un peu. Nombre de trucs à découvrir, là. Tu sais, là, wouh! Que me réserves-tu cette fois-ci? Yuppidou! Oh, des papillons! Hein? Lumos! Qu'est-ce que... Ouf! Mais je peux pas faire des magies. C'est le pont? Peut-être si je me mets sur le pont. Non. Ici? Ok. Suivez-moi. Et de 1. Lumos. Et de 2. Et de 3. Des grosses araignées. Merlin lui-même aurait de quoi être fier. Let's go. C'est de ma faute si tu es une araignée géante. Revelio. Une araignée géante dégueulasse. Revelio. Action. Incendio avant.
Revelio. Allô, Mora. Drette les deux dessus. Bing bang. Bam. Objet pour main non identifié. Revelio. Legendary. Y'a rien d'autre dans une belle petite maison comme ça. Ok. Petite maison abandonnée, on dirait bien. Vraiment, je fasse ces sorts-là plus souvent parce qu'au nombre de points magiques que je me gagne, là, c'est un peu dumb. Action. Incendio. Revelio. Ma mission que j'ai ciblée, moi, est. Faudrait que je me marque. Elle est là. Suivre la quête. Ah, ok, il est là mon marqueur. Ok, par là-bas. Ah, fait que c'est pas par là que je m'en vais explorer pour tout de suite. Je serais plus par ici. Tu sais, il y a des affaires de même là. On va être rendu à explorer là. Je pense que ça va être une plus petite vidéo. Parce que moi, on va arrêter là. 1h30. On va aller voir KK. Et c'est samedi compte levé! Oh, samedi compte levé! Une autre belle vidéo de buggé, let's go! Trop le fun comme jeu!